مع وزير التجارة بنادي مصدري المنتجات الفلاحية والتحويلية وهو النادي حديث النشأة من أجل دراسة تنظيم عملية تصدير هذه المنتجات التي صرح الوزير بأن حجم صادراتها فاق 50 مليون دولار خلال هذه السنة وتوقع أن تبلغ 100 مليون دولار مع نهايته. التغطية كانت لمحمد سعدوي. Pour le moment, nous sommes dans une phase, en termes de chiffres, nous sommes une phase de placement des produits agricoles à l'étranger. Ce n'est pas encore la vitesse de croisière. Nous sommes à 52 millions de dollars sur les 5 mois. Peut-être, Inch'Allah, si la cadence est là, on peut aller vers 100 millions d'ici la fin de l'année. Donc, ce sera un pic jamais atteint. Mais notre objectif, si le plan d'action sera mis, ce n'est pas pour la première année 2019, mais 2020-2021, on va aller vers 500-600 millions de dollars ou le plus d'exportation. Parce qu'il y aura une vitesse de croisière. Dès le plan Ikoun Wajed, la mise en œuvre à partir de 2019.